côté mien là dans Jane and Jane show. Si nous t'a remé connait ça qui a passé dans Montréal là, on seul côté pour abonner nous sur YouTube Jane and Jane show. Pas oublier tant de même ce qui dit nous pas qu'à vivre ça yo, des fois que ça coule ma bienvenue dans l'autre édition de Jen and Jen Show. Show parlant nous tout qu'à regarder nous et m'a salué co-animatrice, moi, Jen. Bonjour, Jen. Je souhaite te passer une bonne semaine. Oui. Mais oui. Moi, ouais, ça, visage là, quand même, frère. Comme d'habitude. Non, mais bon, on est nous, là, on a fait effort, même si grippe, tout oui, bagaille. Oui, on a une petite grippe quand même, alors. Mais, bon. Mais malgré ça, visage là, frère. Merci. Jen, nous avons une animatrice malheur ensemble avec nous, l'émission. Oui. Nous avons une animatrice, no joke, tout talk, ensemble avec nous, l'émission. C'est la première fois qu'elle est sur le plateau Jen and Jen Show. Alors, on a présenté donc Madame Marie-Claudine de Radio Tandem FM. Bonjour Claudine. Bonjour Jen. Bienvenue dans Jen and Jen Show. Bienvenue. Merci de l'invitation. Je suis content que parmi nous, soit là. Nous sommes pour nous parler, moi là. Pour nous parler, pour nous dire tout ça, nous sommes pour nous dire. Je souhaite au parti mutuellement. Non, pas trop timide, mais nous connaissons bagay. Alors, pile bagay pour aller parler, alors restez branchés et m'a profité saluer tout le monde qui est Montréal yo. Nous connaissons nous-mêmes chose ça. Bah, voilà. Mm-hmm. Et m'a salué tout le monde USA. Shout out to the people in USA, continue to give us the love. M'a salué tout le monde qui Haïti, République Dominicaine, tout côté ça. Guadeloupe, Martinique. Voilà. Si nous t'apprends pour nous mettre tout pays, nous va finir. Mais nous connaît que sans nous-mêmes, pas de Jen and Jen Show. Alors. Show ça existait par rapport à nous-mêmes. Voilà. Alors, continuez, partagez show, à l'abonnez-nous, à subscribe, bon petit cloche en l'air. Et puis, cliquez sur lui pour jouer tout bon bagage Jen and Jen Show la vie. Exactement. Alors, nous pourrons commencer l'émission, non? Tout le monde qui t'attend l'émission, ça, le nous t'a annoncé. Alors, jour arrivé, nous allons commencer. Alors, Claudine, est-ce qu'on s'en trouve à l'aise? Très, très à l'aise. Nous, bien campé, belle bagaille, belle studio. Ma félicité. Ah, merci. Oh, merci. Merci beaucoup. Alors, Marie-Claudine, t'as aimé comme si ça, c'est bagaille que Jen and Jen Show toujours fait. Et pour nous venir là, il faut que nous parlions de lui. Alors, dis-nous. Qui est souillé, quand on sorti? Parlez-nous de vous-même. Alors, Marie-Claudine, tout le monde connaît sous le nom Tandem MC, qui veut dire Tandem Marie-Claudine. Le MC, pas pour micro, il faut toujours comprendre, ou son MC, c'est micro, Kembe, ou c'est animatrice, ou bas. Je suis une animatrice et PDG de la radio Tandem FM. Nous sommes une fille qui est très, très simple, mais je remets pour un petit plaisir. Je remets jouer de la vie. Me remettre petit plaisir de la vie également. Mais me son fille qui un peu timide mais qui pas parler en pile m'observer. Là mon côté me garder m'observer et si me sentir dans climat, on commence à parler. OK. Non, on parle à l'aise là. Après pour parler, on parle à l'aise là. Mais à part de radio, est-ce qu'on bon le travail, l'autre bagarre ou faire, l'autre pas faire radio tout ça? C'est évident que radio a pas le premier rapport financier non. Mon premier rapport financier, non, c'est son monde qui travaille au niveau de la justice, au niveau policier. Et c'est mon premier gagne-pain. Et ensuite, on fait radio pour peut-être boucler les coins. Ok, c'est bien ça. Alors, radio, ça a gagné qui relait Tandem FM. Depuis combien de temps il existait et qui genre radio te prend naissance? Radio, le premier jour radio ça a commencé, c'était le 4 mars 2016. Alors, radio ça a bien temps, pral bien 3 ans en mars
prochain. Wow. Radio ça a commencé, nous étions deux partenaires ensemble qui étaient commencé Radio A, qui était entre autres artiste Frankie, tout le monde connaît artiste Frankie dans Montréal là. C'est nous qui étions commencé. Alors on a salué artiste Frankie, un gros love pour vous parce que Jenen vient chaud connaître ses chaudies et nous pas passer là sans pas saluer. Alors nous étions commencé Radio ensemble en 2016, entre autres nous étions trois monde et avec un DJ que nous t'ai gagné à l'époque qui était DJ Les Minutes. Nous t'ai trois qui t'ai commencé faire cette émission. À cette époque-là, moi j'étais en charge de tout ce qui était côté administratif et côté technique, gérer son, gérer micro, gérer tout bagage ça yo, mais nous t'ai deux associés dans Tandem FM et il y a de ça un bon 2 ans et demi. 2 ans. Et c'est sûr que avec la longue, on évoluait, nous commençait faire nous. Et puis, nous, Jodia, nous, côté nous, Rivea. C'est sûr qu'en cours de route, il y a un peu de bagaille qui passe, nous. Entre autres, Anessa, nous, il y a un peu de changement qui fait dans la radio. Moi, Vin, principalement, PDG Radio Tandem FM. Good, good, good. Wow. Alors là, bon, talent là, où ça dit qu'on savait que c'était nous deux hein, qui étaient en ce sens comme si abgérés. Tandem FM avait dit que d'après ça que me comprendre c'était ou même avec artiste Frankie alors là on y a bon on parle artiste Frankie qui associé à vous ça veut dire ça fait combien de temps que n'est pas associé à vous moi me t'a dit nous depuis avril fin avril 2018 monsieur pas avec Tandem FM encore nous décider que mieux vaut que chaque monde te fait route, soit que nous te campé sa net, ou bien que nous te continuer puis chaque monde te fait route, parce que nous te gagne deux idées et deux idéologies qui pas fonctionner dans le même sens là. Et qui te ban nous retard, qui te empêcher nous avancer, j'en nous te voulu avancer. Et par rapport à certains changements de vie aussi, qui font en sorte que nous pas qu'à continuer, j'en nous te voulu continuer là. Et puis, moi, je reprends les rênes. C'est moi qui t'ai géré normalement tout au niveau administratif déjà, au niveau technique. Je reprends les rênes et puis moi décidé de continuer avec Radio Tandem FM. Et puis, Artis Franky fait propre Radio Pal que nous connaissons sous nom Écoute FM pour l'instant. Oui. Oh, okay. Mais d'après les recherches que nous-mêmes nous faisons dans Jen & Jen Show, nous apprenons que séparation ça les rapports avec yon ti chicane amoureux bah connaissez oui, effectivement, c'est ça vraiment effectivement OK c'est sûr que gen pile monde qui peut-être pas te connaît et nous pas te mettre au grand jour non exactement, plus exactement parce que des fois faut qu'on gagne un peu de réserve oui nous pas te mettre au grand jour non plus mais c'est sûr que nous tenons en relation et puis bagay yo vinn changer comme toute relation oui bagay yo vinn changer comme relation prend fin et puis nous vivons nos relations avec l'autre monde peut-être friction ça fait que je comprends ça nous pas qu'à continuer sur route que nous tenions n'a tellement comprendre parce que et finou est toute jeune depuis tes gros relations bah yo pas qu'à marcher ou vinn mal à l'aise pour travailler avec exactement ce qui est normal tout à fait ce qui est normal mais bon Marie Claudine d'après recherche que Jen & Jen Show fait nous apprenons que les discussions ont été faites que police t'est même mis pieds dans bagaille. Est-ce que c'est vrai? Pas du tout. M'a dit non. C'est sûr que Montréal et Chemay ça, ou connaît et Chemay la chaud et Chemay la toujours aimé parler. Yo ça toujours c'est vrai. Aimé dire en pile bagaille, mais pas même rien discussion. En plus, pas de discussion, nous juste décidé par à travers certains messages que nous camper, ça pas continuer là. Et malgré tout, malgré que m'était fait choix dont l'autre monde dans ville. Peut-être que ça n'a pas fait affaire à certaines personnes. Et puis, faut qu'il était style qu'on vienne faire. Il était style venu, il était fait 2-3 émissions toujours avec nous. Mais c'est normal que friction et gens courants te prennent passer. Il était une frette. Il n'est pas passé même gens. Et qui fait que nous décidons de mettre fin à association que nous avons gagné. Moi, bien content on clarifier. Ça veut dire, Wally, yo tande nan Jen & Jen Show avec pa gen affaire police OK pour tout moun ki te pense mais jodi an Marie Claudine ba vérité exactement mais est-ce que malgré nous pas travailler ensemble encore est-ce que nous toujours un lien d'amitié quelque part
Moi, je m'a dit de mon côté, mon petit Jean, sur une réserve, parce que c'est sûr que je suis femme. Mm-hmm. Et c'est sûr, là où tu es avec un monde avant, ou obligé de mettre de côté et ou obligé de faire une réserve. Parce que nous sommes au milieu, côté nous sommes HMI, le monde parle. Mm-hmm. N'importe bagay qui t'a arrivé pour yon ta wèm close avec monsieur moun yon dit ah moun yon pounen moun yon this moun yon that oh, ben moun yon bagay et puis ça entendé rumeur tombé voilà qui fait toujours font façon pour mettre à l'écart ou bien nous simplement saluer mais nous pas vraiment pas gain échange. Mm-hmm. Ah OK mais au moins nous saluer. Alors, elle parle par respect. Bye, mon éclairé. Bye, normal. Les gens qui te amoun, même bonjour, pas qu'à dire mon nom. Mais ou même ou gars, c'est quand même courage et puis à cette classe. C'est sûr que c'est pas comme si m'a couru sous lit pour me dire bonjour. C'est lit là, tout le monde là. Et puis, un bonjour vient tomber, nous dit bonjour. Et puis, nous continuons, chaque monde continue à faire, ça y a à faire. Okay. C'est normal, c'est bien. Mais là qu'on y a la vie nous comme si que dans émission là que on fait avec l'autre monde est-ce qu'on peut parler nous qui genre association ça qui fait. Moun ça t'est là déjà. Entre autres okay. Jacques Trouillot t'est qu'on fait en émission avec nous qui relait compact tandem. OK. Et à ce moment-là Franky t'est dans émission tout, il t'est qu'on fait émission avec Jacques Trouillot et moi et même Manu Mars. Et te gen yon discussion, Manu Mars décidé que li pap fait émission avec Franky encore parce que te gen prise de bec entre tous les deux pendant l'émission. Wow. Il décidé que l'aller. Wow, okay. Et entre autres, mais Jacques toujours te rete là. Et puis quand il y a eu la rupture entre les deux parties, Jacques dit mais li style a prêté dans tandem parce que moun yo reconnaît li avec tandem qui fait la style continuer faire émission. Mais moi-même, je dis, Jacques, pour le respect, nous ne pouvons pas faire même nos émissions. Hein. Okay. Nous ne pouvons pas obligé changer nos émissions, même si l'émission a le même style de bagaille que nous avons fait là-dedans. Mais nous avons changé nos pour le respect, parce que Franky était qu'on fait émission avec nous. Nous avons changé nos. Nous voulons régler l'émission Compa Montréal. Ok. Good. C'est vraiment intéressant. Mais nous remarquons trop. Ou son monde comme qui très connu dans la communauté haïtienne nan. Et puis gè kèk moun qui peut-être nan même activité émission ensemble avec ou bon par exemple m'apprendre que ou même avec Karine Caprice gon ti friction entre nous alors est-ce qu'on ka ban nou ti bay qui ça passé même m pa ka di gon friction entre nous c'est que peut-être que caractère yo pas matché. Caractère okay. Yo pas à l'ensemble. Mais plus gain familiarité envers Priscilla, qui sont filles qui ouvertes à un peu tout, que vers Karine mais nous parler, nous bagaille, mais c'est pas une fille comme si que nous gain vraiment échange tant qu'on okay. N'a parlé, n'a chill ou non programme pour n'a hang ensemble, c'est pas un style de fille que m'hang. Mais plus hang avec Priscilla qui dans même domaine avec l'autre famille qui dans média que avec Karine. OK, mais la façon de parler, est-ce que bon, d'après façon que vous parlez là, ça veut dire Karine Caprice pas vraiment un monde qui dans média mais qui pas fait même style de bagarre que même moi fait. C'est pas que c'est on pas un monde qui dans média, nous elle dans média, mais moi même première fois me reconnaître Karine. Okay. C'est Karine Caprice m'te connais. Mm-hmm. Ah, okay. M'pas connais Karine seule, m'te connais avec Priscilla. C'est oh, là okay. M'te premièrement reconnaître Karine. Donc, ça c'est le excuse-moi oui, ça c'est le Priscilla t'es fait émission là, le t'es bal non Caprice, c'est alors, c'est début non Karine. C'est Karine qui t'es formé et Priscilla. Les deux noms formés ensemble. Priscilla. Ça sont un mélange des deux noms. Okay. Moi, c'est là que je viens reconnaître Karine dans HMI. Par rapport à Priscilla. Okay. Parce que je suis plus à l'aise avec Priscilla. Je viens reconnaître Karine. Mais à ce moment-là, je crée que je suis gérée carrière artiste. Okay. Je ne suis pas vraiment animatrice. Mais je ne pas pour Priscilla, mais Karine, je connais que je suis gérée carrière artiste. Je ne connais pas comme animatrice à ce moment-là. Ah, ok. Alors, Marie-Claudine, qui sont pensées si Karine Caprice t'avait demandé ou yon temps d'antenne dans la radio, dans l'MFM, pour ta soit faire une émission ou bien travailler en collaboration ensemble avec vous? Parce que c'est un monde qui est très connu dans la communauté haïtienne, surtout dans le niveau média. Et puis,
li son moun tout moi wa ki exprime le bien et puis émission lui gen en pile charme. Alors qui sont pensé si jamais ça opportunité ça t'arriver pour ta demande un bagage comme ça. Ben nan côté pam nan c'est sûr que moi remarqué que Karine li fait plusieurs médias entre autres nous te wèl nan Gov Motion, nous wèl nan Radio CEPAM, Kouran Noël dans Sans Limite Show. OK. Ça fait trois radios le passé. Même c'est trois radios que moi rappeler, pas connu pour l'autre jour. Moi me chercher stabilité. Me ta remet un animateur ou une animatrice qui stable en côté pour me bawel dans plusieurs panneaux. C'est sûr que me ca inviter artiste d'invité, mais pour avoir une émission stable dans Tandem FM, je ne crois pas qu'on est rendu encore là. OK, OK. Okay. D'accord. Mais là, est-ce que présentement, est-ce qu'on va chercher une autre animatrice comme si qui pourrait animer avant dans émission Tandem FM? Moi, c'est sûr que je t'aimerais une animatrice, mais je t'aimerais une animatrice qui a fait un show seule. Okay. Une animatrice féminin parce que nous pas gain ça en pile dans HMI là, c'est sûr que nous ouais en pile animateur radio, mais nous pas gain en pile animatrice. Moi carrément on a une matrice solo pour le faire chopal là seul non sur les ondes de la radio Tandem FM. C'est sûr que ça t'a fait un bel bagage et moi carrément on a une matrice que qui parle dans tout côté, une animatrice qui t'a un sang nouveau qui stable qui stable un nouveau que nous t'a vienne déposer là qui t'a qui vient avec saveur ou avec saveur et pas là que nous pas gain t'entendre tout côté. On va dire pour Jenny Show. L'unique. La seule. Voilà. Bon, Marie-Claudine, dernièrement là, moi remarqué que bon réconciliation là qui fait entre Priscilla Lila et Karine Caprice. Dis-moi qui sont pensé de réconciliation. Moi crois que c'est dans soirée Wendy. Voilà. Dans soirée Wendy. Voilà. Mais de ma part, c'est pas la première fois que moi réconciliation ça fait. Il fait déjà avant et puis gain encore prise de bec qui était faite et moi y réconcilié à nouveau. Cette fois-ci, je crois que c'est pour de bon parce que là nous c'est animatrice, nous là pour nous fonctionner ensemble et de plus pas grand pile mesdames dans média yo. Et nous t'a souhaité quoi ça que mesdames yo mettez de l'eau dans du vin yo. Pour fonctionner et puis pour nous travailler, pour nous faire ça nous gagne pour nous faire. Alors si me comprendre bien, c'est pas première fois des gens de type prise de bec ça en deux mesdames. Mais faut nous comprendre yo té gagne une association ensemble, okay, même okay. J'aime té gagne association avec Frankie okay. Qui fait que yo gagne des vécu ensemble, yo gagne des histoires que moun pas connaît, que moun pas comprendre. C'est sûr que là on voyon point moun nan ka sentir touché, mais peut-être c'est pas envers moun nan qu'on voyait point là tout. Peut-être c'est okay. En général et puis moun nan qui té gagne peut-être bagage historique li avant. Et puis il sentit que il prend le personnel, mais peut-être c'est pas le cas, peut-être c'est ça qui fait que mesdames yo qu'on get plus de bec. Mais cette fois-ci, m'ai ta espéré et me souhaité que c'est dernière fois que ça arrive non pour nous ca fonctionner puis pour nous ca travailler. Ouais, c'est vrai. Puis ça dit en moi vraiment contente. Pas grand pile fina et chemin, surtout là dans Montréal là. Alors pas ta même supposé gagner un petit plus de bec. Exactement, c'est finouillé. Nous devons faire un bon bagage parce que réconciliation, ça l'a porté au plus dans HMI là. Parce que nous-mêmes, en tant qu'animatrice haïtienne qui est dans la communauté haïtienne, nan, quand pour Claudine, nous dit pas gagner en pile dans nous-mêmes, mesdames, il faut que nous mettions ensemble. Et puis, ça a besoin de conseils dans l'émission, pas ou bas, l'île, ça a besoin de conseils. Nous devons faire un bel bagage. On souhaite très belle bagaille les n'a fonctionné ensemble. Si mon problème, on ka rele Karine, on ka rele Priscilla, on ka rele Jen, on ka rele Jen, pour me dire aidez-moi ta remè faire telle bagaille, est-ce que nous ka aidez-moi porter sujet ça, est-ce que nous ka aidez-moi voir sujet ça, parce que c'est sûr que nous sommes des mères de famille, nous gain des sentiments que nous pas wè chez l'homme, l'animateur masculin, qui fait nous gain l'autre bagaille que nous ka porter dans HMI là que peut-être monsieur pas ka porter. Exactement, nous doit faire population connaître tout que fille gain place yo dans HMI là tout. Bon, Marie-Claudine.
est-ce qu'on sent tout à l'aise pendant que on a émission là? Ben moi m'a dit que m'ai pas aucun problème, me sentim bien. Et c'est sûr que des fois question yon un petit genre piqué. Mais c'est sûr que me vinn non chaud. OK. Me vinn pour me parler, pour me porter des certaines de clarifications et me là pour ça. Mais à part ça, me sentim tout bail sous contrôle. Quoi pour être du vent à l'aise. C'est ça, à l'aise. Parce que ça fait que moi dis ça parce que nous gagne l'autre animatrice que nous invité et bon yo comme décliné et pour ta venir dans Jen and Jen show. Alors c'est peut-être ça mando, est-ce qu'on sentit que nous bien recevoir parce que gagne monde qui que yo t'es flé venir mon a montré nous que on reprend yo vraiment on reprend yo yo t'es même anticipé pour t'es venir dans Jen and Jen show et puis après yo pas venu, ça fait que moi mando est-ce qu'on sent tout à l'aise? C'est sûr que me senti mal à l'aise, c'est valeur que nous n'ont HMI n'a fonctionné très bien, nous connu. Gen des monde qui connaît pas même konn ki moun yo yo just rete comme ça et après les tandem même si m'a konn ki moun yo yo just après l'eau parce que yo wèl à travers les réseaux sociaux, yo wèl nan programme tout également. Mais là où sont animatrices ou pas qu'à refuser style interview ça yo. Yo là pour ça parce que moun yo pas connait nous. Yo wè nous mais yo pas konn histoire nous. Yo just wè que nous là pour nous servir yo. Mais là ou vinn dans style show ça yo, moun yo vinn gen plus facilité konn ça ou fait. Yo gen plus idée de moun ko yè également. Exactement. Parce que tant que Jens so di gen yon animatrice que nous t'ai invité dans l'émission, c'est travail nous pour aller chercher l'autre animatrice jodiyan pour nous apprendre faire connaître moun ça. Même si on connaît déjà, mais gen l'autre public qui gen doit pas connaître. Voilà. Nous même Jen Jen show nous bay tout monde chance yo. Fait que animatrice ça son animatrice, on capable dire l'heure que fait quoi nous qui t'ai gen pile estime pour nous, qui t'ai remet nous comprendre et puis en même temps que l'animatrice c'était un fan nous. Ouais, n'est-ce pas Jen? Oui. Alors, qui fait me prendre point ça, c'est parce que des fois on demande qui ça qui passait mais n'a cherché réponse, nous gagne tant qu'on réponse là. Mais moi trouvé que c'était vraiment l'aide, on va dire ça c'est Jen qui dit vraiment l'aide que on t'ai voulu venir nos émissions ou t'ai chaud pour venir nos émissions, qu'on y a leur nouveau invitation baou, qu'on y a cherché écrit tout un dictionnaire de réponse pour faire nous comprendre que ou pas qu'à venir bla 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 et nous souhaiter que un jour après que nous pour dire nous que au prêt pour une émission. Alors à qui la chance? Oui, n'attendons dans émission parce que plateforme Jen and Jen show l'ouvre pour tout le monde. Exactement. Bon, nous allons rentrer dans l'autre sujet là qui pas trop tough. Non ben nous même dans Jen and Jen show nous là pour parler. Nous connaissons quoi ça émission et alors, moi qu'on suit live puis émission artiste Frankie yo. Monsieur bon façon de la animer émission yo, li ou ti jan tof envers d'autres animateurs ou bien envers soit moun la pote sujet en sou li an. Comment trouver façon sa li interpréter émission an? Est-ce qu'on trouve que li trop tof ou bien ça ka mette moun yo mal à l'aise ou bien est-ce que trop direct? Comment trouver ça? Moi même ça m'a dit c'est que chaque animateur gen style pa yo, yo gen style animation yo, yo gen style émission. Moi même son animatrice qui un petit peu fait le pour et le contre. Mais l'aime lagué, moi lagué. Ou lagué, me lagué. Même pas lagué pour m'a chercher peut-être aller trop loin. Non, ça m'a posé à tout. L'aime moi me rivé trop loin, me font ralentir. C'est sûr que m'animer avec Jacques, Jacques qu'on pousse tout, l'aime moi Jacques aller trop loin, moi vinn ramasser Jacques et puis nous fonctionner comme ça. Ou dit quoi ça, nous pour petit pause musical. Oui. Ou bien posons l'autre question et puis Jacques vient en comprendre que m'a amorcé bagaille parce que bagaille vinn trop chaud. Mais là où sont animateurs comme ça, tant qu'on style animateur artiste funky ou son animateur ou remet aller au fond des choses ou remet pousser ou remet peut-être aller aiguiser ça qui passe tout
est-ce qu'on capable tout recevoir bagay la même gens parce que là yo ont gens piqué ou fâché. Okay. Parce que les animateurs, vous supposez qu'apprend tout bagaille tout. Mm-hmm. Même j'ont piqué, les ont piqué au fort prendre. Propre piqûre. Propre piqûre. Mais okay. nous connaît, c'est une artiste qui sont très bon, c'est un son bon oui, émission très intéressant c'est un, aussi. C'est un très bon individu aussi, à titre de personne également. Son mm-hmm. monde, tout le monde aime tout, mais sur ce point, il y a un petit problème que lui pas qu'à prendre critique là, mais il remet poussé, mais laisse tout pâle pour jouer notre bagaille, automatiquement il monte live. Oui, c'est ça la riposte. Son bagaille tout que moi remarqué c'est que kou yo poussé bien yo piqué lui. Non demain matin au même moment il te met sous cabane ni ouais côté papa c'est ça il te met dans machine dans cuisine là puis plop ou live monter mais c'est bien comprendre c'est son monde qui susceptible peut-être pas susceptible est-ce que c'est susceptible ça je crois que c'est quelqu'un qui est plus émotif que susceptible ok parce que susceptible c'est pas même bagaille là il est plus émotionnel peut-être nous kawel comme ça et peut-être mais les mêmes na façon parle li just voulait répondre mais des fois là son animateur faut prendre temps pour tendre bagaille des fois faut prendre temps pour tendre en live 2-3 fois avant qu'on baille une réponse exactly. Parce que des fois là on baille réponse là sur le vif son monde qui vient bon on bagaille pour répondre automatiquement. Et est-ce qu'on gagne toute information pas nécessairement. Après. Et pour on y monte live et puis on baille on riposte. Et puis c'est peut-être pas nécessairement mm-hmm. le sujet qui était traité à ce moment-là. Okay. Donc là, moi-même, non, c'est pas facile de monter pour me faire un live. Moi-même. Non, quasiment aucun live. Si je réponse pour me bailler, je baille son émission. Je fais une émission. Oh, pendant l'émission, okay. Je prends. Calmer, je suis ressourcé, je suis en information, et puis je la dis ces phrases sans que je ne froisse pas. Mm-hmm. Parce qu'il faut comprendre que tout nous sommes humains, nous chaque comportement, nous chaque caractère. Nous. Des fois, ou répondre comme ça et pour dire qu'est-ce que je suis supposé dire ça, mais on connaît la technologie à leur live, ou mettre facile, mais moi-même, je suis en train de recorder, je suis en train de l'embagage et puis je suis en train de le faire. Et puis peut-être 2-3 ans plus tard, et puis je suis en train de le faire. Et puis je suis en train de le faire. C'est ça Facebook là, c'est ça que les lives. C'est le problème. Ouais, c'est vrai. Exactement. Mais quand il y a là, avec émission ou gagne une radio, et puis avec radio que vous avez géré, Tandem FM. Qui projet à venir pour vous pour radio? C'est sûr que présentement, nous avons 5 émissions qui roulent sur radio. Et c'est sûr qu'en 2019, nous avons 2 autres émissions qui pourraient commencer en 2019. Mm-hmm. Entre autres, en mars, nous avons l'autre émission à caractère socio-culturel qui pourraient commencer. Et d'ici juin, nous avons l'autre émission qui ont émission. Comme nous te gagné avant, qui était en émission jeune, côté nous te ouais, 2 jeunes mesdames. À ce moment-là, c'était ma fille et la fille de Frankie qui faisaient une émission. Nous gagné pour nous retourner avec style émission ça, parce que émission ça, si jeunes y ont besoin, jeunes animatrices y aurait mais, mon y aurait mais garder jeunes émission ça y qui fait nous gagné émission ça qui va recommencer en juin. C'est sûr que n'a formé si mon y a si mon qui pas trop habitué avec micro, avec le fait de parler pendant un live. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler sur live. Qui sont timides. Ils sont timides. Ils viennent obligés de faire recording yo avant pour nous broadcast après. C'est comme ça qu'on appelle ces 2 émissions. Ça, entre autres et d'autres projets, tant que nous avons une soirée que nous allons faire pour nous remercier en pile monde, entre autres les artistes de rap créole dans la communauté. Et Cali Fiesta. Nous avons un bel projet qui a venu pour Cali Fiesta avec Radio Tandem FM. Wow, bel bagage. Mais pendant que nous parlons de rap créole, parce que nous avons rap créole dans Tandem FM en pile valeur. Okay? Parce que nous avons une émission vraiment rap créole. Parlez-nous qui gens qui s'est poussé à faire ça. C'est sûr que le mouvement rap créole là, présentement, il n'est pas prend. C'est un mouvement qui est un petit peu à l'écart. C'est un mouvement que yo wè négativement.
son mouvement que moun pa comprann nan communauté a. Et rap créole la existé et oui. Monsieur yo a fait pile fort, y a fait pile bagay, yo gen pile mouvement y a fait. Et nous t'ai choisi avec GS et Peter Limix font émission. En première émission qui était Vibe 509 qui était une émission de DJ côté nous t'a recevoir tout DJ qui t'a joué entre autres musique rap créole et rap on top qui avec oui, GS top. Et Peter Limix et yo fait émission ça côté yo recevoir tout artiste rap créole de Montréal yo parler de artiste rap créole à l'étranger également et ça fait un peu polémique parce que monsieur rap créole dans Montréal yo pas tellement aimé que les n'a parlé de rap à l'étranger c'est sûr que rap à l'étranger fait plus et fait que rap dans Montréal n'a pas essayé ouvrir porte pour monsieur rap cap faire rap dans Montréal là pour joindre plus visibilité pour yo ta ka joindre plus de façon pour exprimer yo oui. Mais nous connaît rap là son un milieu côté moun yo tof ouais. Monsieur yo pas douce bien qui douce mais monsieur yo tellement vive bagay que yo exprimer yo avec un rage et des fois les wap fait émission obligé avant émission ou obligé à tempo climat ou ouais. Bien obligé faire émission côté que ou connaît ou pas qu'à recevoir tel artiste avec tel artiste obligé gérer clan yo parce que il faut nous pas briller dans rap créole là gain plusieurs clans c'est bagaille ça pour nous gérer moi déjà marié me jure pas divorcer mais c'est bon Dieu faire moi réaliser femme yo belle femme yo belle femme yo belle femme yo belle mesdames la caillou belle femme yo belle femme yo belle femme yo belle femme yo belle.